le député pour que de l'aide soit toujours disponible pour ceux qui vivent avec le VIH-SIDA. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Monsieur le Président, le soi-disant débat climatique qui a eu lieu ici est le pire de tous les mondes. Ce n'est pas sérieux et ce n'est vraiment pas drôle. C'est une démonstration grotesque de l'ignorance de la science et un rejet des solutions dont nous avons désespérément besoin. Nos enfants et petits-enfants ne nous pardonneront pas ces erreurs. Nous avons encore une chance. Ce gouvernement va-t-il s'engager à ce que, lorsque nous reviendrons de la pause de Pâques, que nous nous formions en comité plénier pour débattre des changements climatiques, pour répondre à des questions et pour que nous puissions nous concentrer sur les faits? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. De ce côté-ci de la Chambre, nous croyons en la science et dans les politiques ancrées dans la science. La réalité scientifique des changements climatiques doit être reconnue et nous devons en tenir compte dans tout notre travail, que ce soit le travail que nous faisons pour l'environnement ou l'économie. Nous sommes d'accord avec la députée de Saanich Gulf Islands et nous sommes intéressés à trouver de nombreuses façons de sensibiliser ceux en cette Chambre qui continuent de nier l'existence des changements climatiques. Ceci met fin à la période des questions.